Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie, mon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus le Lion, conquérant redoutable et royal de la tribu de Judas. En ce jour béni de mon cinquième jour, sur 40 jours de jeûne et prière de consécration en lien, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le réveil spirituel. Hier, c'était le combat spirituel. Aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Notre texte de base est tiré de Philippiens chapitre 2, le verset 1. La Bible dit dans la version française courante que j'ai depuis 29 ans. La Bible dit, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Nous savons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est Dieu. Car Dieu est Esprit Saint, Esprit et vérité. Écoutez-moi très bien. Il a réveil spirituel lorsque notre esprit rentre en contact avec le monde spirituel. Lorsque nous commençons à entendre des voix, lorsque nous voyons dans le monde spirituel, lorsque nous parlons avec des êtres spirituels, nous devenons spirituels. Dieu a créé Adam et Ève par la suite. Mais ils étaient spirituels parce que dans le jardin d'Éden, l'Écriture déclare que Dieu venait les soirs pour causer avec eux. Et l'Écriture déclare que Adam entendait et voyait Dieu parfaitement. Mais à la chute de l'homme, l'homme a perdu cette communion avec Dieu. Donc il faut réveiller l'être intérieur. Il faut réveiller l'être intérieur, le mettre en contact avec le monde spirituel. L'Écriture déclare en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que Dieu garde notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est tripartite. Le corps, tout ce qui est un désir de manger, boire, faire l'amour, ça c'est le corps, et etc. L'âme, c'est le côté intellectuel et le côté des émotions intellectuelles. 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4. Ça c'est le côté de l'âme, le côté des émotions, le côté des sentiments. Un monsieur vient de perdre quelqu'un ou perdre sa femme, ou elle vient de perdre son mari, une relation amoureuse, elle commence à pleurer, on ne l'a pas tapé, mais les larmes coulent. Ça c'est le côté de l'âme, côté intellectuel, côté des émotions. Mais l'esprit c'est le côté qui te met en contact avec la divinité. Voilà, un homme peut être païen, il a arrêté, il a dit les gars quittons là, dès qu'il quitte l'humeur tombe, ou bien une voiture vient cogner l'endroit où ils étaient assis. Ses amis m'ont demandé, comment tu as su? Il dit, non, dans mon esprit, j'ai senti qu'on devait bouger. Donc, c'est lorsque notre esprit se met en contact avec le côté spirituel, le côté divin, lorsque nous sommes en communion ou en communication, il y a réveil spirituel. Le réveil spirituel est d'abord individuel. On a vu Jésus, lui seul, aller jeûner. Luc chapitre 3, chapitre 4. Il allait jeûner dans le désert 40 jours sans manger. Et il est revenu revêtu. Il était rempli de l'esprit, mais après son jeûne, revêtu. Et la Bible dit, on a entendu parler de lui. Aujourd'hui, il a le nom le plus célèbre de l'humanité tout entière, Jésus. Et son livre, aujourd'hui appelé la Bible, est le livre le plus vendu dans le monde entier. Et le livre le plus lu. On a vu aussi Philippe à Samarie, Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe qui a bouleversé tout un village de Samarie, même le sorcier, le magicien qui épatait les habitants de cette ville, s'est fait baptiser. Et il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient étonnés de voir la puissance de Dieu et beaucoup de convertis. Le réveil individuel avec l'apôtre Paul, Actes des Apôtres, chapitre 19, il était tellement utilisé pour les miracles, même le mouchoir. Les linges qui avaient touché son corps, Dieu opérait des miracles. Lorsqu'on appliquait sur les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient. Ça, c'est le réveil individuel. Maintenant, nous allons parler du réveil collectif. Lorsque ce réveil-là, ce n'est plus un individu qui est en communion à Dieu, mais c'est toute une communauté. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes et le monde entier a commencé à entendre parler de l'évangile de Jésus. 3000 âmes se sont converties et la Bible dit en Actes chapitre 5, l'onde de Pierre guérissait le malade. On espérait que Pierre passe par là. On mettait le malade au bord de route. C'est-à-dire que son nom puisse passer sur un d'entre eux et ils étaient guéris. La Bible dit quand les chrétiens priaient, la tête tremblait. Ça le réveille. Collectif. Quand il y a le réveil collectif, les bars sont fermés, les maquis sont fermés, les hôtels dépassent même ne marchent pas. Parce que tout le monde commence à prendre conscience de son état de péché, de son état de pécheur. Tout
tout le monde veut se tourner vers Dieu. Le réveil spirituel, c'est lorsque l'être qui est endormi, l'être intérieur, qui ne voyait plus clair, qui n'entendait plus la voix de Dieu, qui ne sentait plus la présence de Dieu, commence à se reconnecter avec le divin, se reconnecter avec Dieu. C'est là où on dit le réveil spirituel. Le réveil spirituel, les aveugles commencent à voir, les sourds commencent à entendre, les muets parlent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les morts plutôt poussent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. Et tout le monde est affecté. Les prisons sont vides. Les commissariats sont vides de prisonniers. Parce que tout le monde commence à se convertir. Tout le monde se tourne vers le Seigneur. Tout le monde se tourne vers Dieu. Tout le monde commence à pleurer sur ses péchés. Et tout le monde sent qu'il a besoin de Dieu. Qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Qu'il ne peut pas aller quelque part sans Dieu. Le réveil spirituel, c'est lorsque nous devenons des petits dieux au milieu de nos contemporains. Les gens de notre époque. Le réveil spirituel, c'est lorsque nous pensons comme Dieu, nous parlons comme Dieu, nous agissons comme Dieu, nous faisons comme Dieu. Lorsque nous devenons une solution pour le monde entier, la vipère a mordu l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, tout le monde dit qu'il va mourir. Il a secoué la vipère, l'a jeté dans le feu. Et la Bible dit qu'ils ont vu qu'il ne mourrait pas, ils ont dit, il est un Dieu. Le réveil spirituel te met au-dessus de tes contemporains qui sont charnels, qui sont humains. Le réveil spirituel, c'est lorsque l'Église, lorsque le corps du Christ est embrasé du feu de l'Esprit et en communion avec Dieu le Père, Dieu la parole et Dieu l'Esprit Saint. Lorsque Dieu fait un avec un individu et qu'il se lance dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, c'est ça, il arrive spirituel. Il arrive spirituel, comme dit l'écriture dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Paul et Barnabas ont traumatisé les gens. Dit que les gens criaient Dieu, les dieux ont pris la forme humaine et sont venus parmi nous. Quand ils partaient dans des endroits, en criant au secours, population, ces deux gens-là ont traumatisé le monde et sont arrivés. Parce que quand il y a le réveil spirituel, le diable, les anges déchus, les démons, les sorciers, les mystiques, les marabouts, les féticheurs, si je peux m'exprimer un peu, leur œuvre est détruite, est dévoilée au grand jour et ils perdent beaucoup d'argent. Parce que les gens se convertissent. Quand il y a le réveil spirituel en un mot, c'est l'explosion de la délivrance, de la guérison, de la bénédiction, des miracles et du salut en Jésus-Christ à gogo, dans les nations et dans le monde entier. Tu as besoin d'être réveillé pour voir dans le monde spirituel. Tu as besoin d'être réveillé pour être en communion avec ton Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu devient comme Dieu. Et par conséquent, il ira habiter où Dieu est, au paradis. L'apôtre des nations, Paul Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Judas. Plus 225-07-08-01-65-07. Plus 225-05-05-64-78-32. Plus 225-01-01-48-47-54. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Réveille-toi. Quand ton Dieu arrive.